Comme vous pouvez le constater, on a procédé à de nombreux travaux ici depuis l'automne dernier. Donc, on a fait le déménagement de l'exposition permanente qui était ici au rez-de-chaussée. On l'a amené au deuxième étage. Et on a aussi agrandi le mur, et c'est vraiment agrandi l'ouverture du mur. Ça a été fait hier et avant-hier. Donc, il y a encore un peu de poussière dans l'air, là, mais c'est à finir. Donc, tout ça nous permet, en fait, de proposer, de bonifier l'offre culturelle de la Maison Plamondon, de proposer des spectacles aussi, des événements, d'avoir plus d'ateliers et plus de gens aussi à nos ateliers. Donc, c'est vraiment des modifications importantes qui ont été faites pour offrir plus de culture et de formes culturelles ici à la Maison Plamondon. Alors, j'ai dit à l'Assemblée générale annuelle, en fait, j'ai dit que j'avais l'impression que jusque-là, la Maison Plamondon, ça ne savait pas trop où on allait. Je pense que les gens de la ville vont être d'accord avec nous autres. Puis cette année, on commence à savoir où on va. Puis ça, c'est le fun. On a une direction. Alors, on s'en va. On ne sait jamais exactement où on s'en va. On est une OSBL. OSBL, ça vit de subvention, ça vit d'entraide, d'aide. Alors, on ne sait jamais exactement où on va. Mais on a pris une direction. On a pris une belle direction qui est unique dans le comté de Portneuf, qui est unique dans la région de Québec. Donc, la Maison Plamondon, c'est un lieu unique. Et les choses qu'on fait, en général, ne sont pas répétées ailleurs. Alors, ce qui fait que ça va devenir un lieu très riche, culturellement, mais aussi socialement. C'est-à-dire qu'on attire des gens qui, ensemble, refont des choses ailleurs. Ce qui fait qu'on devient un microcosme qui développe notre communauté. Puis, moi, je pense que c'est ce qui est le plus important à comprendre de Maison Plamondon. On est un microcosme qui se développe dans la communauté puis qui aide à développer la communauté, avec tous les gens qui fréquentent ici. Tranquillement, on va chercher les gens un par un. Moi, j'avais dit à la ville, les premières fois qu'on s'est rencontrés, on ne peut pas aller vite. Avec un truc comme la Maison Plamondon, c'est impossible qu'on aille vite. Il faut développer lentement. Sinon, on se casse la gueule. Parce que les gens attendent trop de nous, puis on n'est pas capable de donner. Alors, on va lentement, et puis tranquillement, on améliore les choses, puis on rend les choses meilleures. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc, je pense qu'on a pris la bonne direction. On avait besoin de quelqu'un aussi qui donne cette direction-là, puis Véronique, à qui je rends hommage ici. Alors, Véronique donne cette direction-là. Puis Véronique, elle est débrouillarde, organisée. Elle organise les autres aussi. Dans le bon sens du terme. Alors, dans ce sens-là, puis elle est bonne en communication, elle est capable de communiquer avec les gens, d'aller voir des gens et de rendre les choses positives et belles comme elles sont. Alors, ce qui fait que c'est un trésor. Gardons-la. J'ai des gens que je veux remercier un peu. Olivier Gérard, qui est le conjoint de... Alors, c'est lui qui a pris l'exposition, qui l'a montée en haut. Olivier fait ça au Musée de la civilisation. Alors, on l'a emprunté, mais Olivier fait ça bénévolement. Alors, je rends hommage à Olivier aussi ici. On veut toujours remercier la caisse des Jardins parce que si nous, je pense que Véronique va le faire aussi tantôt, si nos ateliers prennent forme, c'est beaucoup grâce à Desjardins. Si on est capable dans nos ateliers d'engager des gens qui sont bons, c'est beaucoup grâce à Desjardins qu'ils nous aident pour ces ateliers-là. Sinon, nos ateliers ne seraient jamais aussi bons et aussi courus. Et quand je vous dis que nos ateliers sont courus, on a des ateliers qui s'en viennent, là. Puis avant qu'on fasse la publicité, ils sont complets. Alors, on le met sur le site de la maison, puis c'est complet. Alors, je veux aussi... de toute façon, si j'oublie des choses, Véronique va... Je vais me corriger après. Je veux aussi remercier le conseil d'administration. On a un conseil d'administration ici qui se réunit souvent. Il y a des CA qui ne se réunissent pas souvent. Il y a certains trucs, il y a deux réunions par année. Nous autres, on a au moins 10 réunions par année. Et règle générale, c'est une fois par mois. L'été, il y a un petit peu de relâche, là, mais règle générale, c'est une fois par mois. Donc, on se rencontre pour toujours rediscuter de notre direction. Où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que ça, c'est acceptable? Est-ce que ça, c'est pas acceptable? Je vous dis,
tout le monde peut vous le dire ici, dans notre CA, c'est rare que le monde est d'accord. On discute, on placote, puis on finit par essayer de se convaincre, puis finalement, on prend un vote, mais les gens acceptent que ça se passe comme ça. Mais j'ai jamais vu de sujet depuis que je suis ici où tout le monde est d'accord. Donc, c'est pas un conseil d'administration qui vient pour nous dire oui, c'est un conseil d'administration qui vient pour discuter des choses. Puis ça, c'est riche, puis ça, ça conduit quelque part. Alors, je les remercie, puis je le dis chaque année, mais il faut continuer comme ça. Il y a trois nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre au CA cette année. Luce Assad, qui est là-bas, qui travaille avec le groupe Arc-en-Ciel. Valérie Guillemette, qui travaille à la Caisse des Jardins. Et Claude Plamondon, qui vient nous rejoindre, qui est grand patron de Saint-Raymond Toyota. Alors, ça nous fait vraiment plaisir d'accueillir ces gens-là. Ces gens-là vont encore diversifier notre CA. On va être encore moins d'accord. Je sens ça. Mais, on dit... Hein? Oui, c'est très sain. C'est la démocratie, c'est ça. Puis la démocratie, ça devrait toujours être un vote, puis dire on se rallie après. Puis, en tout cas, c'est ce qui arrive la plupart du temps dans nos discussions. Je remercie aussi de tout cœur et le maire et les conseillers de la ville de Saint-Raymond pour leur encouragement et leur appui financier. Et je vous le dis, sans ça, la maison n'existerait pas. On leur a déjà rendu la maison. Alors, c'est important. Puis la MRC aussi de Portneuf, puis par Eliane Trottier, qui aussi travaille très fort avec nous. Quand on a besoin d'eux autres, en général, ils sont disponibles, puis ils sont dedans. Alors, c'est à peu près tout. Je vous remercie de tout le monde d'être là. C'est agréable de s'adresser à des gens. Et qu'il n'y en a pas seulement deux, trois. C'est très agréable. En tant que conseiller municipal au nom de la ville de Saint-Raymond, on est très, très fiers, en fait, d'appuyer la Maison Plamondon. J'ai la chance d'être administrateur de la Maison Plamondon, d'être le représentant de la ville sur ce conseil d'administration-là. Normand fait des blagues sur... c'est par expérience, puis j'ai vu des conseils d'administration beaucoup, c'est un des plus beaux conseils d'administration que j'ai vu. Parce qu'il y a un partage d'idées, parce qu'il y a des idées ambitieuses, parce qu'il y a de la passion. Il y a des idées fortes, puis oui, il y a vraiment une direction intéressante. Je pense vraiment que la Maison Plamondon, vous savez, hein, je vous apprends rien que dans le domaine culturel, c'est jamais nécessairement facile. C'est beaucoup plus facile de faire des annonces ou dans le sport, les loisirs et tout ça. Puis c'est comme ça, il faut faire avec. Alors, ça prend beaucoup d'énergie, de volonté, de vouloir faire des projets dans le domaine culturel, dans le domaine patrimonial, de s'intéresser à notre histoire, au patrimoine bâti, matériel et tout ça. Et c'est cette ambition-là, ce courage-là qu'ont les administrateurs et les gens qui travaillent pour la Maison Plamondon. Oui, ça a été à petits pas, un peu tout le travail qui a été accompli ici. Mais on voit, puis juste aujourd'hui, les conférences de presse, avec cette ouverture-là, bien pour moi, c'est l'ouverture vers ce qui s'en vient pour la Maison Plamondon. Une ouverture qu'on souhaite aussi sur le monde, sur la population de Saint-Raymond. Moi, j'ai eu la chance, sous d'autres chapeaux, de venir faire des rencontres de travail ici. Quel beau lieu pour venir brainstormer, échanger, avoir une rencontre active. Fait que les possibilités pour ce lieu-là, tant au niveau culturel que social, sont immenses et sont complémentaires à ce que la ville fait sur le plan culturel. Je sais qu'il y a vraiment des maillages intéressants qui sont faits, notamment, je vois Étienne Saint-Pierre qui sont là. Alors, les choses sont faites de façon complémentaire, dans un travail d'équipe, puis il y a une vision globale où est-ce qu'on englobe, on n'oublie rien. Comme citoyen, on peut être très content qu'à Saint-Raymond, on a une super belle salle multifonctionnelle où est-ce qu'on a des spectacles vraiment intéressants et tout ça. Mais il y a certaines personnes que ça ne va pas nécessairement les toucher. Fait qu'à Saint-Raymond, je trouve que dans les dernières années, on a fait un pas de géant sur le plan culturel. Moi, je regarde l'offre qu'on a quand on regarde la Maison Plamondon, puis on regarde au niveau de la ville.
Et on n'a pas grand personne à envier sur ce plan-là. Non, maintenant, je vais vous présenter la programmation 2020 de la Maison Plamondon. Donc, pour casser la glace, ce printemps, nous avons deux spectacles ici. Mini-scène, formule intime. Donc, pour casser la glace, ça a été déjà annoncé à la ville, mais nous avons Flavie Dufour qui présente son spectacle, Clair de femme. Donc, c'est un solo. Flavie est multi-instrumentiste. Donc, c'est musical et théâtral. C'est un spectacle qui parle d'une femme en quête de liberté. Donc, le spectacle est au coût de 15 $. Les billets sont en vente au pointdevente.com. Ensuite, donc ça, c'est le 1er mai. La semaine suivante, le 9 mai, il y a Marie-Thérèse Fortin qui vient avec son spectacle « La détresse et l'enchantement ». Le spectacle est complet. Les billets sont partis en 10 jours. Donc, ça a été très, très apprécié. Marie-Thérèse est vraiment enchantée de venir ici. Elle sait que ça va être aussi une petite formule, mais elle est vraiment ravie. Et il y aura aussi une discussion avec la comédienne après le spectacle. Donc, je ne sais pas si ici, il y en a des chanceux qui ont des billets. Quelques-uns. Et le spectacle nous pouvons offrir ce spectacle-là grâce au partenariat de Claude Plamondon et de Toyota Saint-Raymond, qu'on remercie. Maintenant, à venir, à l'été 2020, notre exposition prochaine qu'on présente ici, ça s'intitule « Fou de forêt ». Donc, c'est une prochaine exposition qui va avoir lieu ici au rez-de-chaussée. « Fou de forêt » se veut une exposition qui révèle une vision singulière et sensible de la forêt, faite de témoignages, de discours, de regards authentiques et de réflexions personnelles. C'est une exposition qui est à la fois sonore et visuelle, parce que c'est d'abord une trame sonore appuyée de portraits des fous de forêt. Et c'est un hommage aux gens d'ici, aux gens de Saint-Raymond, aux gens de Portneuf et aussi à notre forêt. J'inviterai Valérie Bourget, qui est ici, qui est commissaire au contenu. En fait, Valérie, elle a déjà rencontré une vingtaine d'hommes et de femmes pour travailler sur cette exposition-là. Puis elle va nous dire un petit mot. Tu peux juste t'approcher. Oui. Bien, bonjour tout le monde. Je ne connais pas beaucoup de visages, mais ça va venir. Je viens juste d'arriver à Saint-Raymond. En fait, comme Véronique elle l'a dit, on a rencontré à peu près 20 hommes et femmes de tous les horizons, de tous les âges. Puis, on a aussi travaillé en collaboration avec Thibaut Quinchon, qui est un artiste en écologie sonore. Puis, lui, en fait, ses œuvres vont venir comme accompagner les témoignages de nos fous de forêt, en fait, nos fous et folles. Puis, sa démarche artistique consiste vraiment à aller s'immerger en forêt, puis à capter les sons des différentes saisons. Puis aussi, l'exposition va être accompagnée des compléments scientifiques d'Isabelle Rény, qui va nous aider avec la vulgarisation de tout ce qui est, en fait, pour apporter une trame un peu plus scientifique, qui va venir balancer le côté émotif, surtout des discours. Puis, c'est ça. Moi, je vous souhaite vraiment autant de plaisir que moi, j'en ai eu à rencontrer ces fous et ces folles-là, à accueillir leurs histoires. Puis, c'était vraiment des beaux moments puis des belles rencontres. Donc, je vous souhaite la même chose. Voilà. J'ai beaucoup passé de temps sur le bord des lacs en suivant mon père sur le secteur de chasse et pêche. Puis, le chant du loup, ça arrive toujours à des moments spéciaux, au lever du soleil, au coucher du soleil. On court souvent avec un petit camp dans la forêt. On passait beaucoup de temps là. J'étais tout le temps là. Au camp l'été, là, des fois, là, j'ai passé une semaine complète avec mon campage, avec la gang de petits gars. Un nuage, puis la grosse neige qui tombait là. T'sais, tranquillement, là, des peaux de lèvres qui tombaient, là, mais dense. C'est pas grave, je marchais encore. Puis tout d'un coup, j'ai vu les traces de loup. Hein? J'ai un loup! Puis c'était un loup solitaire, il avait juste une trace. Fait que là, j'ai monté la petite butte. Il était juste en descendant, il y avait la baie qui était là, puis il était assis, il y avait une glace qui était retroussée, puis il était juste assis, il se nichait là, la partie, il sortait pour prendre une pause. Puis il était là, mais pas tant loin, là. J'ai resté debout, puis là, il m'a vu, puis on s'est regardé. Fait que là, on s'est regardé quand même longtemps. On est reparti chacun de notre bord, puis ben, je me sentais bien. Ouais. Donc,
ça, c'est vraiment, il faut le voir un peu comme un balado, en fait. Il y en a beaucoup qui, ça se fait beaucoup aujourd'hui, un balado. Donc, c'est vraiment un récit d'une trentaine de minutes. Puis, on va passer à travers des thèmes assez généraux, mais aussi à travers beaucoup de confidences. Puis, des gens qui habitent la forêt de par leur travail, de par leur loisir, qui portent la forêt en eux et qui la mettent en valeur. Donc, c'est vraiment, c'est ça qu'on va faire. On travaille pour les portraits visuels. En fait, ça, c'est nos collaborateurs. Pas les collaborateurs, mais les gens qu'on a rencontrés. Il y en a... hommes et femmes, et enfants aussi, qu'on va rencontrer. Alors Valérie, c'est qui rencontre M. Mengui pour tout ce qui est trappe, ici à la série Dion. Et donc, ces discours-là vont être appuyés par des portraits d'Olivier Lachance, Marcelo Rivero et Jean-Pierre Malot. Donc ici, on voit Olivier, on a eu une première séance de photos avec Stéphane Blouin. Donc ça, c'est une des photos d'Olivier. Ici, une deuxième séance photo avec Geneviève Légaré. Ça, on ne vous montrera pas ce que ça va donner. On va attendre la surprise au vernissage. Donc, les collaborateurs, Valérie qui est ici, Olivier Lachance, photographe, Thibaut Quinchon, concepteur sonore, va appuyer tout le discours par les sons de la forêt. Deux consultants très importants, Étienne qui est parti, Serge Pinard aussi qui nous aide pour tout ce qui est le volet plus scientifique. Et Isabelle Rény, Valérie en a parlé, vulgarisatrice scientifique, qui va appuyer le discours un peu plus émotif des fous de forêt par un discours plus scientifique. On remercie nos partenaires pour cette exposition-là, la MRC, la Ville de Saint-Raymond, la Série Dion et la Caisse populaire de Saint-Raymond-Sainte-Catherine. L'été prochain, on revient aussi avec Secret de charbonnier. L'exposition a très, très bien marché l'été dernier et on représente à nouveau cette exposition-là dans le four à charbon situé derrière la maison. Maintenant, les horaires de la Maison Plamondon pour l'été prochain ont un petit peu changé. Donc, on va être ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h. Donc, la journée de plus, c'est le mardi, mais on n'ouvrira pas le jeudi soir. Donc, c'est un petit peu la modification. On se rend compte que ça ne valait pas la peine de le jeudi soir. Mais par contre, le mardi, il y a beaucoup de gens qui se cognaient à une porte fermée. Donc, on est très content d'annoncer 6 jours semaine, 10h à 17h, jusqu'au 6 septembre et tous les week-ends de septembre. C'est toujours gratuit pour les résidents de Saint-Raymond. Ça, on ne perd pas ce privilège-là pour les gens de Saint-Raymond. Maintenant, tous les ateliers présentés ici à la Maison Plamondon sont en lien avec la forêt. Presque, pratiquement tous, mais je trouve ça très important que toute la programmation soit cohérente. Donc, on commence au mois d'avril avec Claudine Paquette qui revient à l'atelier d'écriture. L'atelier est déjà complet avant d'être annoncé. Claudine Paquette est toujours en demande, donc samedi et dimanche 4-5 avril, un intensif. Claudine va faire travailler les participants sur le thème de la folie et sur le thème de la forêt. Un deuxième atelier qu'on propose au mois d'avril, et ça on est très content, c'est la peinture animalière avec Ariane Bussière. Donc c'est un atelier 8 ans et plus, donc autant les enfants que les adultes sont invités. C'est déjà complet. Donc, on a même plus de place que plus de participants qui étaient prévus à la base. Donc, je ne sais pas, Ariane, si tu veux nous dire un petit mot? Bonjour. Oui, moi, c'est Ariane Bussière. J'adore peindre sur le thème animalier. Quand Véronique m'a approchée pour me demander de donner des cours, ce qui n'est pas la première fois non plus qu'on m'approche, mais ça fait, je dirais, juste 2 ans que j'ai mis de l'avant à montrer aux gens ce que je savais faire, que je voulais faire aussi. Je me l'ai un peu prouvé à moi-même, parce que j'avais ça dans la tête depuis des années, mais je ne l'avais jamais fait. Puis je vois Étienne, justement, qui m'a aidé beaucoup là-dessus, il y a 2 ans. Il m'a poussé à faire une exposition. Alors, depuis ce temps-là, je baigne là-dedans. J'adore la nature, j'adore la forêt. J'ai depuis mon tout jeune âge, je me promène en forêt. Mes parents ont un chalet près d'ici. On a tellement une nature incroyable à Saint-Raymond. Et puis, alors, tout ça m'a amené à... Là, je disais à Véronique, OK, est-ce que je suis prête encore cette fois? Et là, je me suis dit, bon, je me lance. Et puis, c'est ça. Je pense que je vais partager plus ma technique. Dans le fond, on abordait les gens de 8 ans à... peu importe l'âge, qui aime déjà dessiner, déjà peindre, parce que je ne me voyais pas partir un cours de la base, aller, mais dans le fond, je vais les accompagner. Alors, ils aiment déjà dessiner, je crois, et peindre. Fait que je vais partir un projet avec eux, animalier, avec plaisir. J'espère leur partager ma façon de faire, dans le fond, les accompagner là-dedans, puis surtout leur donner le goût encore plus
de peindre et de prendre le temps. Je pense que c'est vraiment reposant, c'est stimulant, c'est vraiment, c'est quelque chose que j'adore faire. Je pense que ça paraît. Alors, c'est ça. Fait que, malheureusement, c'est ça. Ben, heureusement, c'est déjà complet, mais en tout cas, je pense que je vais... Oui, c'est ça, en plein ça. Je vais me lancer, puis après, bon, pour partager à plus de gens encore, je l'espère. Puis surtout le lieu, je pense que la Maison Plamondon m'a vraiment attirée. Je pense que c'est ce qui m'a encore plus donné le goût de... C'est bon de sentir dans un lieu qu'on aime peindre, qu'on est bien. Puis dans ce temps-là, la création vient toute seule. Alors, j'aimerais ça partager ça avec les prochains élèves. Merci. Merci, Ariane. Alors là, on a un autre super atelier qui s'en vient et qui n'est pas complet. J'inviterais Sandy Blackburn, en partenariat avec la Vallée secrète, à venir nous... qui va se compléter. Qui va, oui, c'est sûr que ça va se... Ça va se remplir très vite. Bon, bien, bonjour. Moi, c'est ça, je suis de la Vallée secrète. Donc, j'ai donné des ateliers déjà de création pour les enfants à la ville de Saint-Raymond pendant deux hivers. Là, c'est une thématique différente, dans le fond. Véronique, quand elle m'a appelée et qu'elle m'a parlé de fou de forêt, je pense qu'on ne peut pas être plus fou que nous autres, déjà, à la Vallée secrète. Puis, on est dans la forêt depuis 17 ans maintenant avec nos petits nénins, qui sont très populaires. Et notre thématique de cette année, c'est en rapport avec les animaux de la forêt, tout ça. Fait que quand elle m'a parlé de ça, j'ai dit, ben oui, ça fit au bout avec notre thématique de cette année, tout ça. Fait que ça, c'est, en fait, ça va être des petits cabinets de curiosité. On va imiter des insectes avec des objets de la nature. Fait qu'on va ramasser plein de branches, de feuilles, de cèdres, de cocottes, tout ça. Puis on va transformer ça en insectes. Non, on va mettre ça dans un petit cabinet. Et ça va donner vraiment un résultat très intéressant. Là. Ce qui est le fun aussi, c'est que moi, j'aime beaucoup ça, faire des ateliers familiales, donc d'être parent-enfant. Donc, c'est 8 $ pour un parent avec son enfant. On peut accueillir une dizaine de... Quinzaine de deux personnes. OK. Alors, on vient de grossir l'atelier. Donc, ça, c'est vraiment un temps en famille, finalement, que, où est-ce qu'on a tout le matériel pour créer. On va donner des exemples d'insectes et tout ça, mais on va leur demander de créer un insecte imaginaire, évidemment. Puis on va lui inventer un nom scientifique incroyable. Et voilà. Merci. Maintenant, on va à l'automne prochain. Je vais passer assez rapidement. Roman graphique avec Guillaume Demers. Le roman graphique se rapproche de la bande dessinée, mais c'est un petit peu plus littéraire. Guillaume Demers a déjà donné plusieurs ateliers de roman graphique. C'est pour les 8 à 12 ans en septembre. On va faire aussi en septembre pour les Journées de la culture du cyanotype. C'est un procédé photographique, en fait, très, très simple. Et c'est aussi une activité familiale. C'est moi qui vais donner cet atelier-là. Là, on va revenir aussi avec Jacques Lamontagne, qui est bédéiste. L'atelier de la BD a très, très bien fonctionné l'année passée. Donc, on revient en deux volets, pour les jeunes et pour les adultes. Donc, une demi-journée pour les jeunes, initiation à la BD. Et on va offrir aussi une classe de maître en bande dessinée, un week-end pour les adultes. Jacques Lamontagne est bédéiste reconnu et publié à travers la francophonie et y habite maintenant à Saint-Raymond. On va offrir aussi un atelier d'écriture de poésie avec Jean Désy, poète et auteur. Un atelier de photo avec Yvan Bédard, la formule reste à confirmer. Et il y aura aussi Jenny Paquette qui va revenir avec un atelier de céramique qui avait bien marché l'année passée. Trois week-ends, trois samedis en novembre. Donc, la formule aussi est à préciser. On souhaite faire encore une activité familiale les avant-midi, mais il va y avoir plus de détails à venir. Là, on a le temps, c'est en décembre prochain. Maintenant, ce qui m'amène à vous présenter aussi un atelier, le dernier et non le moindre. Cette année, la Maison Plamondon revient avec un atelier d'écriture de chansons sous forme de classe de maître. Pourquoi classe de maître? C'est que, en fait, la classe de maître, ce qui se différencie, c'est que souvent les échanges se font de l'élève au maître devant le public. Donc, cette année, on veut offrir une classe de maître au mois d'août et on est très heureux d'annoncer que ça va se faire avec Jim Corcoran.
Jim Corcoran sera avec nous le 18, 19 et 20 août. L'appel de candidature est maintenant lancé, donc tous ceux qui veulent participer, c'est ouvert à tous. Tous doivent déposer des dossiers, envoyer un dossier et une lettre de motivation à la Maison Plamondon. La date limite pour déposer les dossiers est le 1er mai à 16 h. La classe de maths va se terminer le jeudi soir par un souper-spectacle avec les participants et Jim ici à la Maison Plamondon. Et on tient à remercier dans cette édition de la classe de maître le partenariat essentiel de Claude Plamondon de Toyota Saint-Raymond.